Gros nouvelle, Blender au fait que débarquer dans la cour au pays d'Haïti, ça a gagné au moins une heure de temps. Quantité Blender que nous t'obtenons, au plus passé 75% déjà en deux pays là. La société pralgué crier, pralgué relé, pralgué plaqué. Bagala pral terrible pour ces messieurs qui ont fait l'obéi en deux vivre ensemble. La police nationale d'Haïti qui a récupéré Blender, tout noir, bien en forme. C'est quantité d'âmes qui accompagnent. Vous avez des détails, vous décidé de là. Même pral qui a regardé l'image. Nous avons dit gros nouvelle, bonne nouvelle. Nous avons dit président Biden, capé là. Nous portons un pile d'informations pour vous dans le cadre de ce dossier-là. Mais c'est dans la société, ancien sénateur Moïse Jean-Charles Tremblay Payan, pendant retour dans la ville au Cap Haïtien, dans date 17 mai 2024. Ancien sénateur a profité de la victoire qu'il fait dans le temps où il était soi-disant une coalition avec lui-même, à savoir Guy Philippe a plusieurs autres personnalités. Monsieur a cassé maintenant la vie. Ancien sénateur Guy Philippe, faut-il tenir même balbo en pile détail, en pile information. Comment vous est-ce qu'on peut pas de détails, non, mais vous là qui est vraiment important. Jimmy Cherizier alias Barbecue, tout ça a retrouvé la situation là, li a bail à chalet. Donc, à quelques jours d'arrivée, monsieur Kenya en dans le pays d'Haïti, venez avec nous pour faire expérience pour attendre qui ça Jimmy Cherizier dit et qui position monsieur prend, qui posture monsieur prend, qui je vais la bralier. Bonjour, bonsoir pour nous tous, comment nous essayons de faire? Je connais déjà, moi c'est Maman Pembacha et par contre là, tout le monde qui connaît moi, les pays pour Tia, nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Nouvelle là, t'es tellement arrivé jeune, mais avec quelques temps, mesdames, mademoiselles et messieurs, les m'a regardé sous téléphone, moi, yo partagé information avec moi-même, yo quantité matériel, débarqué aujourd'hui dans l'aéroport international, tout c'est l'ouverture. Mais ça qui vraiment va, quelques temps, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas petit chat pépé, c'est pas petit chat blague, c'est pas petit chat pas utile. C'est des bagages qui sont extrêmement bons, c'est des bagages qui sont extrêmement importants. C'est eux-mêmes, même dans le moment où on a parlé là, c'est eux débarqués actuellement là, dans le pays d'Haïti pour venir faire une réponse à Kati, monsieur, vivant ensemble, qui a fait l'obéi. Regardez l'image là bien, oui. On a bien pour nous parler sous lui dans l'autre émission. Mais ça qui est important, je dis, mon quantité matérielle qui entre, l'OSAM, entre, machine blindée, entre, m'a profité de dire à tout petit monsieur vivant ensemble, continuez à faire dernier prier nous. Information qui a dominé l'actualité là. Mesdames, la société, ils sont évidents pour nous parler de Jimmy Cherizier alias à Barbecue. Tout le monde le soin pour la bail. Il y a un paquet de détails et sous ça qui a passé actuellement là et qui ça qui plane pour force multinationale à Qualvini. Pour monsieur Barbecue, force multinationale là, c'est un bagage qui est très important puisque lui-même tout, les gagnants, ont réponse appropriée à lui-même. Monsieur les Pinga. Donc, quel que soit le qui t'a venu là dans le pays, hein, vous comprenez, vous allez venir voir les âmes sur vous. Vous allez dire, vous avez de l'eau sur vous. Mais Jimmy Cherizier, alias à Barbecue, retrouvez la situation actuellement là. Il va connaître qui c'est pour le relais. C'est interview à droite, interview à gauche. Je vais vous quitter nos fonds cette année. Je vais venir. Tout le monde est groupe armé qui a zam yo, mais personne moun pa wè moun ki a vann zam yo. Et jodi a y ap mande pou arrete nèg ki gen zam yo, mais yo pa jam mande pou arrete nèg ki a antre zam ni vann zam. Konn pou ki sa? Parce que majorité nan yo gen passeport français, majorité nan yo gen passeport canadien, majorité nan yo gen passeport américain, majorité nan yo oligarque yo, et majorité nan yo c'est politiciens yo ki gen passeport américain, passeport canadien, passeport français tout. Maintenant yo est seulement nous même qui nan classe défavorisée. Et peut-être ça jodi an zam sa. Zam ça. Les gars pour faire Haïti tout nos paradis pour tout le monde net ou bien Haïti a tout nos l'enfer pour tout le monde net. Eh quoi zam mais hein? On va même quitter au final t'aller tout l'an reste l'an. Les évident pour me faire entendre ancien sénateur Maurice Jean-Charles qui pratiquement cassé maintenant bol ancien sénateur Guy Philippe qui a gardé sénateur à mouchoir qui a pris dans mouchoir pour ancien sénateur Maurice Jean-Charles Guy Philippe là c'est pas jamais son toile mouillé, son égaré, son imbécile. Monsieur c'est pas décausé, il pas dit dans interview que lui a accordé. On va le partager à quand même interview ça. Ils sont évidents, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, pour nous comprendre, notamment, et qui est vraiment plein, messieurs, qui s'est organisé comme une décision absolue. Dans le moment où on a parlé là,
Donc ancien sénateur Guy Philippe tellement gagne difficulté l'a surmonté. Donc en pile monde pratiquement donc pas comme ça et ben Moïse Chéchal lui-même il décidé pendant monsieur a souffri, pendant monsieur a un problème là. Donc Moïse Chéchal tu parle c'est fait qu'il y a fait justement parce que ancien sénateur a un problème ça. En coutil Moïse Chéchal et tout de suite après on a retourné encore avec barbecue. Moïse un grand maître en politique qui comprend ça l'a fait très bien. Mais rassurez-nous, pays, Haïti, pas prêté dans sa liée. Même les gens qui t'ont joué, je te petite de sa liée, entrez dans mes temps, je vais te la gâter. Gentil, il n'y a pas compte. Si vous montez, si vous descendez, il y a bon pour la journée. Avant de quitter au Cap-Haïtien pour me aller pour ton prince, je te dis, si je ne suis pas sorti en foule, je ne vais pas monter pour ton prince. Et je demande nous permission. Depuis moi, nous sommes dans l'arrière en foule, je vais quitter au Cap pour aller pour ton prince. Et je te dis, tout le temps, je vais acheter à Yalari, je ne vais pas tourner au Cap-Haïtien. Je dis, nous tournons la caille, nous. Pendant que je suis dans la caille, je ne parle pas avec les caps seulement. Je ne parle pas avec le monde entier. Je ne parle pas tout avec la communauté internationale. Là. Peuple haïtien, Moïse Jean-Charles, le grand Moïse. Moïse, un grand maître politique qui comprend ça l'affaire très bien. Et je vais rassurer nos pays, Haïti. Pas prêté dans sa liée. Peuple haïtien, peuple haïtien, yon frappe nous fort. Parfois, yon ban nous gaz, yon fait nous traîner à terre, ton coucher. Mais nous dit, c'est petit de saline nous y est. Levez, campe ton air, continuez bataille là. On vient parler par on ça. Peuple haïtien, les gens qui ont un bal, gaz lacrymogène, qui ça fait? Ils ont un bal, ils ont fait nous traîner dans toute la ville. Donc, vous chien, je fais taxi, nous prenons bal, et nous campons dans le temps de Féa, dans le temps de Lyon, ça y est, pour nous défendre, peuple haïtien, peuple haïtien. Peuple haïtien, ça qui a passé le pays, sacrifiez nous là, je ne vais pas aucun autre pays. Peuple va vivre comme ça. Peuple haïtien, nous devons nous mobiliser. Mais, au coup de route, nous devons un signal qui lance. Nous devons, si nous ne prenons pas de décision, casser la machine. L'ennemi nous, qui va venir nous, nous devons mettre le président pour nous. Vous n'avez pas mettre premier ministre pour nous. Vous n'avez pas mettre ministre pour nous. Vous n'avez pas mettre délégué pour nous. Vous n'avez pas mettre conseil électoral pour nous. Pour qu'on s'arrive, Moïse Jean-Charles ne peut pas faire mal dans l'élection tellement vous pas le persécuter. Peuple haïtien, même les gens qui ont joué, je vais petite de ça, ils entrent dans mes temps. Je vais te la gâter. Gentil, il n'y a pas compte. Si vous montez, si vous descendez, il n'y a pas pour la journée. Il faut que vous soyez bon. Ne criez, femme criez. Je dis c'est ça que moi, j'ai l'enlevé. Et cette fois-ci, nous sortons pour bon. Papa ici, gentil, je viens d'annoncer non. Je viens rester payant. C'est maintenant fini. Nous avons dans le pays un gouvernement qui ne peut pas responsabiliser nous. C'est ça que je viens d'annoncer
au camp haïtien. Camp haïtien, on connaît nous fâchés. Mais, je ne suis pas facile. S'il était facile, nous avons résolu le problème déjà avec Aligno. Camp haïtien, chaque fois, nous faisons trois pas d'avant, nous faisons deux pas d'ailleurs. Mais elle n'est pas facile, non? Camp haïtien, pas de comme nous. Pas de manger, pas de dormir, pas de flâner. Jour, à soir, c'est travail. Pour moi, comment me retirer nous dans sa nuit aujourd'hui? Papa ici, je devrais continuer à faire manifestation. Mais regardez, si je fais manifestation toujours, je t'apprends un an, deux ans, je ne vais pas trouver une solution. Eh bien, yon créé en condition, nous font coupe pour une solution plus facile pour me retirer le pays dans sa lié là aujourd'hui. Papa ici, l'aide gâtée, l'école n'a pas fonctionné. Papa ici, l'aide gâtée, n'a moins grand goût. Papa ici, l'aide gâtée, insécurité. C'est ça que fait moi Jean Chalantré. Dans le conseil là, pour venir délivrer nous dans la situation ça. Papa ici, pouvoir qui là, c'est pas pouvoir pas nous tendre. C'est pas pouvoir pas nous tendre. C'est pas pouvoir pas nous tendre. Pouvoir pas nous venir. 2026 tendre. 2026. 2026, moi Jean Charles, petit Dessaligno, nous qui sommes campés. Nous avons déjà nous n'avons pas besoin de faire. Nous nous faisons. Nous sommes confiants. Et nous avons fait ça. Pour moi, Jean-Charles, nous mettons attaquant équipe là. Ils ont attaqué pendant plusieurs femmes résistées. Et je ne vais pas dire ça. Ils ont attaqué. Pénalité. Et je ne vais pas tirer pénalité à dehors. Deuxièmement, qui est offlé, qui est offlé, nous avons fait ça quand même. Mais, nous vais demander à nous. Discipline, discipline, parce que ce n'est pas pouvoir par nous qui l'a. Pouvoir ça qui l'a, son pouvoir mosaïque, côté en 1802, en 1803, des salines, des palais, avec 1 million, pour te jouer la paix et pour te faire révolution. Je dis, pas oublier, je te dis non, ma branche t'a parlé avec même diable. Seul bagage attendez parce que me connais n'a passé deux jours n'a passé trois jours nous pas faire manger la canne pas de pays encore papa haïtien gardez ta douane yo taxe nouveau l'école pas qu'à fonctionner insécurité et bien moi même m'ka dormi moi même m'ka manger mais là m'garde nous m'pas arrêter pour m'garder bagage ça c'est ça que fait m'obligé. Fait, mais à culpa, pour me parler avec tout le monde, on seule raison, pour me retirer le peuple, dans ce lieu-là aujourd'hui. Peuple haïtien, ce n'est pas pour voir ça qui intéresse nous. Qui ça a besoin, peuple haïtien? Je le connais, petite Dessaline, besoin de sécurité avec le conseil électoral là, pour aller faire quoi là? Est-ce que menti? Est-ce que menti? Est-ce que menti? Est-ce que menti? Peuple haïtien, je dis, n'a pas la tout le monde. Et je dis à moi, j'ai décidé de parler avec voisin. M'a parlé avec Américain yo, parce que ces voisins nous ont fait concilier nous pour nous garder en danger. Nous garder manger. Et pour me dire, mais ça me vrai, yo même tout pour me tendre. Moi, j'ai fait sacrifice. Je ne pas retirer pied sous gaz là, non. Gaz là toujours là, mais les machines n'ont pas de l'huile. Faut me camper machine non pour mettre l'huile. Si ne pas fait ça, machine a crasé non même les Haïtiens. Les Haïtiens, nous décidons par avec notre nation yo. Nous décidons par avec voisins yo. Voisins yo, ma par avec nous pour une seule raison pour me sauver les Haïtiens. Les Haïtiens, moi j'ai qui là yo. C'est moi qui a mon mandat pour me parler au prince. Avant de me parler au prince,
nous demandons nous permission et nous devons un bon prince. Les Haïtiens, ce n'est pas facile. Mais nous avons boumé, pourquoi nous avons boumé? Pour nous faire une solution payante, parce que moi, nous ne sommes pas capables encore. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons un mandat pour travailler pour nous? Est-ce que tout ça me fait mettre fin pour me retirer nous dans la mise en œuvre là? Est-ce que nous avons quoi faire? Si nous d'accord avec nous, ce que nous avons fait, nous avons fait. Ce que nous avons fait, nous avons ok? Attendez, nous venons pour un mandat, nous avons encore. C'est mon cas fini. Nous voulons payer avec le gouvernement. Deuxièmement, nous avons tout porté plainte devant nous. C'est payant le conseil présidentiel là. Qui est-ce que nous la donne? Est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous connaissons? Secteur qui sous papier, ce n'est pas lui qui l'a en application parce que ce n'est pas facile. Nous comprenons la politique, nous ne pouvons pas faire ça, nous continuons à vous mettre. Peuple haïtien, je fais toute qualité contre 6 pour me sauver nous. Quand on presse, nous parlons par le gouvernement, notre semaine, au mois de mois, il faut que nous voyons la sécurité à commencer dans le prince. Sécurité à comment? Premier de ma sécurité, hein? C'est pas avec coup de zam, non papa. Et pas coup de zam, non papa. Moïse Jean-Charles qui a une capacité pour diriger la paix dans le pays. Je ne pas mon gouvernement, même pour contribuer participation par nous à conseiller le président, présidentiellement, le gouvernement pour jouer la paix. Et si négocier pas la paix, laisse ça, vous pouvez utiliser la force. Mais en attendant, première semaine, yo, premier mois, on cherche la paix. La paix pour sécurité. On fait activité sociale, éducationnelle, sportive, dans le ghetto. Mais, premier démarche, parti au commencement. Peuple haïtien, j'aimerais Zam. Entrer dans le pays, je me suis saisi. Mais, je voulais dire que les âmes sont vraies. On ne peut pas commencer avec tout les âmes seulement. Parce que, sortir les gens seulement, on ne peut pas jouer les gens qui te font les âmes. Et la sécurité, il faut les autres ni en haut ni en bas. C'est ça que je viens de déclarer au Cap Haïtien. Les gens qui ont les âmes, ils sont vulnérables. Et c'est ça que nous résultons ça. En tout cas, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Salue mon Jérémy. Je salue mon Okaï. Mon Nif. Je salue Jacques Mel. Je salue tout. Mon Kafou. Je salue mon Tigouave. Port-au-Prince. Pétionville. Port-au-Prince. Delma. Nous saluons nous et toute zone métropolitaine. Jodia, Esch, nous saluons nous. Port-de-Paix, nous saluons nous. Nord-Est, Gonaïve, Petit de Saline, Point, tout le Chita Palais. Et nous commençons Chita Palais avec vos pays pour me donner la paix, pour me diriger pays, pour me retirer le peuple dans sa mille à Jodia. Peuple haïtien, nous battons bien. Trop par une balle, dis-nous. Nous remercier moi remercier mon Nord-Est qui là côté folie là monsieur folie on salue MPN on salue nous on passe dans notre ghetto yo, non est-ce que nous cité la Fossette est-ce que nous là Nambanan est-ce que nous là Rizero, Fatima, et Chada, Konassa, Fosse Michel, Kafou Ayoko, Madeline, Kafou, Saliele, nous comme Kafou la mort, nous saluons, mais Kafou Abattoir, nous saluons. Nous saluons tout le monde qui sort de Milo, Saint-Raphaël, et pas Santicari, nous saluons tout, nous saluons tout le journaliste qui là, nous saluons. Moun Robia yo, moun Milo Lakay mwen yo, moun salye yo, Cité Lesco, moun salye yo, moun salye moun ki sorti Pilate, Plaisance,
l'imbé, à qui dit non, limonade, quartier moi, pour dire non. Marie-Lier, c'est pas moi, Jean-Charles. Je t'ai persécuté, je t'ai dit, au cap pas avec moi, Jean-Charles. Mais femme dit non, c'est pas celle au cap qui est avec moi, Jean-Charles. C'est tout pays qui est avec moi, Jean-Charles. Avant d'aller, je ne vais pas faire ça. Mesdames qui l'ont, moi, Jean-Charles, salut-nous. Mesdames, yo, faut-il soukémer pour les monnaies de nous. Bonne fête demain, ok? Mesdames, yo, salut-nous. Après ça, journalistes, yo, son plaisir, salut-nous. Et, avant d'aller. Attendez. Pour ça, l'école qui l'a, on salue nous. Soldats, yo, qui l'a, on salue nous, soldats, parce que nous là. On salue nous. Et, son plaisir. Nous connaissons nous qui là depuis la soirée devant le volant et depuis matin, qui a des têtes moi. Là, je parle, nous sommes grands. Nous parlons fort, oui. Nous sommes parlés parce qu'on est. Nous connaissons nous qui a des dômes. Si nous connaissons pas des dômes, nous parlons fort, vous en avez, non? Mais nous connaissons nous là. En tout cas, diaspora, nous voulons dire nous là, pour finir l'autre semaine, pour nous venir dans le pays, nous, pour ne pas besoin de passer vacances de notre côté. En tout cas, nous ne pouvons pas camper. Pour me parler tout le temps dans le soleil là, pour me quitter nous appuyer le soleil là, avant de finir. Bon, nous plan. Un, nous parlons au gouvernement, l'autre semaine. Deux, nous parlons comment se sentir sécurité. Trois, nous ne parlons de la caillou. Quatre, nous ne parlons pas baisser. Nous ne parlons pas baisser pour m'aller à l'ensemble. Vous avez dit que vous avez hésité à faire cette interview parce que je travaille pour un média français. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Raison que j'ai hésité pour me parler avec vous et comme un média français, c'est suite avec le reportage que volontairement j'ai toujours accepté de faire avec les médias français. Ils ont dit que c'est des choses qui sont vraiment drôles de moi. Étiquette gang. Ils ont utilisé les parler de moi pour déranger. Et si c'est parce que m'a demandé de l'eau potable, si c'est parce que m'a demandé et l'école primaire gratis, si c'est parce que m'a demandé une plus bonne condition la vie pour préparer ça parce que m'a demandé sécurité, si c'est ça qui fait traiter chef gang et comme monde qui mettait chaos, journal français a traité et écrit que c'est un monde qui mettait tout chaos qui gagne dans pays. So si c'est parce que m'a demandé ça qui fait et qu'on s'arrête au traité, eh bien, OK. Je suis prêt pour mourir chef gang, je suis prêt pour mourir chef bandit. J'ai croisé beaucoup d'Haïtiens qui avaient du mal avec ma présence en tant que média français, des déplacés, hein, qui disaient qu'ils en avaient marre des médias, qu'ils en avaient marre des associations, des politiques, et donc ils ne voulaient pas que je filme leur situation. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pourquoi il y a cette colère ici à Haïti? Et Haïti sont anciennes colonies françaises. Et nous subissons un peu l'injustice de la part de la France. Et après l'indépendance, nous subissons un peu. La France a fait nos pays 1804. Aujourd'hui, on est à l'ère du verso, l'ère de la vérité. Côté haïtien, nèg noir en soi, et c'est ça qui passe en Afrique là. Nèg noir en soi, commence à prendre conscience de l'état, de monde lié. Aujourd'hui, et que nous commençons à comprendre. Ça, c'est qu'on a dit non, c'est pas vérité. Ça, c'est pas nous, pas qu'il y a pas nous dans l'histoire, nous qui passe ça. Peuple fatigué, moun yo grand goût, moun yo nan misère, moun yo envie vivre. Mais même, fatigué, m'ba fier, m'a regardé ça, n'a dit de pays. Un pays qui est indépendant depuis 1804. Nous même tout nous gen colère, nous gen haine tout envers moun blanche qui mène pays à côté de là. Nous pas gen colère parce pour couleur peau moun. Nous gen colère, nous gen haine peuple, moun yo fatigué. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui besoin de lever pour y aller travailler. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui besoin de manger pour y manger. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon et qui besoin de vivre dans le monde. Je pense que Dieu nous commence à caler. Un réveil brutal qu'a fait de la part du peuple noir, non seulement en Haïti, mais dans le monde. Et révélant, souhait mon aussi agressif contre nous-mêmes. Et c'est ça qui est passé. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, qui ne connaissent pas forcément la situation à Haïti, pourquoi est-ce que vous, avec les gangs, vous avez déclenché ce déchaînement de violence dans la capitale? Et nous pas mettre violence dans la capitale.
Je dis en le monde entier, ouais, et Jimmy Cherizier barbecue, il y a quand même n'importe un jeune leader dans la communauté, côté qui a pris les bandits, après les chefs gang. Il y a quand même avec un zam, mais il dit que c'est eux qui a mis le chaos dans la capitale. Mais, quoi de cop qui a pour renseignement la police là? Quoi de cop qui a pour acheter matériel pour la police là? Quoi de cop qui a pour faire l'hôpital dans le pays? Quoi de cop qui a pour faire route? Quoi de cop qui a pour faire l'école primaire gratis? José a un petit groupe de monde. Et il n'y a pas plus que 5% qui sont oligarques, qui mettent tête avec les politiciens traditionnels. Politiciens corrompus, volés. C'est ce groupe qui gagne les États-Unis, le Canada, la France d'elle. C'est trois principaux pays qui sont responsables de tout ce qui a privé nous en Haïti. Nous-mêmes, dans le quartier défavorisé, côté même vivre là, nous dépourvus de tout bagaille. Nous n'avons pas de service de base que nous avons. Nous n'avons pas de l'eau pour nous boire. Nous n'avons pas de caille pour nous arrêter. Si nous sommes malades, nous n'avons pas de l'hôpital pour nous aller. Maintenant, ils utilisent nous seulement les besoins nous. Les gagnent élection pour nous aller voter. Les gens besoin de déstabiliser le gouvernement. Ils ont besoin de nos âmes. Ils utilisent le quartier populaire. Je dis à ces âmes qui virent contre eux. J'ai l'impression, quand je vous entends parler, que vous considérez que vous n'avez aucune responsabilité dans la violence qu'il y a pu y avoir dans la capitale. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des saints. Nous ne pas dire que nous sommes des saints et que nous sommes innocents dans quoi que ce soit. Mais c'est violence qui engendre violence. C'est mauvaise gouvernance qui mène nous côté nous là aujourd'hui là. Bah j'aime dire groupe armé pas gain part de responsabilité dans sac à privé. Moi dit si nous dégon l'état fort, si nous dégon l'état qui te prend responsabilité, si nous dégon l'état qui te soucié pour peuple, si nous dégon bourgeoisie haïtienne qui t'a réfléchi travail pour monde dans pays, si nous dégon bourgeoisie haïtienne qui t'a réfléchi l'école professionnelle pour jeunes yo. Si nous avons une bourgeoisie qui a réfléchi, bon j'ai une université pour étudiants nous. Si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a pensé avec l'agriculture pays, qui a investi l'argent dans le pays. Si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a investi dans le tourisme pour faire touristes venir visiter le pays. Si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a remis le pays, qui a porté le nankel, je dis, on ne peut pas avoir tout le groupe armé, on ne peut pas avoir toute violence qui a gagné dans le pays. Est-ce que cette violence, elle n'était pas évitable? Est-ce que, par exemple, vous n'auriez pas pu vous présenter à des élections? C'est un système qui est bien rodé. Et il a construit le pays en même. Et que pour ça, à travers la violence, c'est que pour l'État, tant de voix qui sont mal. Je vais prendre un exemple avant. Nous avons fait vie, nous, à manifester. Nous avons demandé de l'eau potable. Nous avons demandé de caille pour nous arrêter. Nous avons demandé l'école primaire gratis, l'État pas pour occuper nous. Au contraire, ils ont utilisé la police pour faire répression sur les gens qui ont manifesté pacifiquement. Les gens qui ont social manifesté, ils ont battu les balles réelles. Les gens qui ont social manifesté, ils ont cassé la tête, ils ont battu, ils ont bastonné. Je dis à Dieu merci nous-mêmes. J'ai un garçon, j'ai une femme qui n'a pas été populaire, nous avons des âmes. Et nous voyons le peuple là, je veux dire. Vous, on vous accuse personnellement d'avoir participé à un massacre, celui de Saline, et qui est une répression de la police sur des manifestants. Et ça pas de jamais vérité. Pas de jamais question comme ça. Vous aimez pas qu'on parle de ça? Non, bien sûr, on a parlé de tout le bagaille. Nous avons parlé de lui. Le bagaille pour me gâcher. Tout le monde compte toute histoire. Je dis à vous, vous avez fait un massacre à Saline. Je dis à la Saline fait partie de vivre ensemble. Pas de question de massacre la Saline. Donc vous niez ces accusations? Pas de question de et pas moins niel. Pas de question de massacre. Il y a deux groupes armés qui t'ont affronté. Dans le gouvernement, il y a des gens la Saline là-dedans. Côté où tu dis que tu massacre. Et la Saline est un côté où tu aller chita, manger, dormir. Quand tu fais massacre, on ne peut pas parler comme ça. On a toujours des gens, même les pas des âmes, même les pas qui parler, les gens regardent là-bas qui a voulu dire un paquet de bagages parce que tu es une famille. On t'a dit en famille. Est-ce que vous étiez sur place au moment où ça s'est déroulé? Pas de la Saline, jamais. Parce qu'il y a des témoins oculaires dans les rapports. Et d'ailleurs, mais on met un témoin, on monte la Saline campé devant pour dire oui ou même barbecue, on déroule la Saline. Et souvent, on va le mener pour monter, pour me sauter là, voir ici pour mal la Saline, ou après marcher à pied, ou même regarder la distance que nous apprenons pour nous arriver. Et à l'époque, côté pour me passer, pour me descendre la Saline, on n'a pas d'accès pour me passer parce que l'autre groupe armé qui était là, et que vous êtes dans le goût avec vous.
Du coup, si vous êtes innocent, est-ce que par exemple dans le futur, s'il y a plus de stabilité dans le pays, vous serez prêt à répondre devant un tribunal pour vous défendre? Et depuis, la justice qui est forte, depuis, et pas justice que l'organisation doit mener, depuis, et pas justice politicien qui mener, depuis, et pas justice oligarque qui mener, moins prêt pour m'aller devant n'importe quel tribunal. Et moi, mettez au monde en défi. Pour dire une seule fois, moi-même, je dis Michel Rizé La Saline. Moi, c'était un organisme indépendant. Vini mener enquête sur La Saline pour voir si moi-même, je dis Michel Rizé. Et que moi, j'étais dans le massacre La Saline. Pas de quelque chose de massacre La Saline. Pas de quelque chose. Et vous même tout, vous connaissez pas vrai. La Saline, vous connaissez pas vrai. Je reviens un petit peu sur la situation actuelle. Comment vous avez réussi à rallier tous les gangs sous votre bannière? Parole grand pile pouvoir. Ok? Parole gagne en pile pouvoir. Devise, c'est l'union fait la force. Moi, tu es toujours dit, moi, faut que je me rallie tout le groupe armé ensemble pour me faire bataille exactement que besoin faire. Les bateaux, c'est facile, comme si pour nous faire. Mais grâce avec les ancêtres, grâce avec le leadership, moi, je arrivé à Chita et avec un pile compromis que je fais. Et essayer d'entraînement pour chaque monsieur. Parce que son paquet de tempérament différent. Je suis obligé, parfois, et même si j'ai raison, je vais peut-être passer pour toi. Et essayer de descendre voir, je vais parler avec eux, essayer de comprendre ça et de subir. D'ailleurs, puis fois ça a subi, je subis les quartiers populaires, je suis sorti. Je subis même discrimination avec eux. Sauf que à une époque, moi-même, j'étais dans la police, j'ai servi le système, j'ai tué le système. Et puis, moi-même, j'étais toujours côté rien. Je dis, je viens rejoindre. Et je pense qu'au début, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, nous tellement venons parler, nous tellement parler. Et tout le monde vient rendre clair que la vision, ça me voulait pour ghetto, c'est mon meilleure condition de la vie. Tout le monde accepte suivre parce que je vois que la vision, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas belle machine et belle caille. Vision, c'est que j'ai plus de l'eau pour tout le monde. Même Jean-Thomas Sankara te dit. Plutôt que de l'eau pour tout le monde, parce que je suis un champagne pour un petit groupe de monde. Je dis, nous suivons la route, grand leader ça, qui est Thomas Sankara. Nous suivons la route, grand leader ça, papa pays noir, papa nation noir, qui est Jean-Jacques Dessalines. Nous voulons Haïti, tout le paradis pour tout le monde. Sinon, nous-mêmes, groupe armé, nous faisons tout le l'enfer pour tout le monde. Si vous cherchez vraiment la stabilité, notamment dans la capitale, pourquoi avoir attaqué les prisons et libéré des milliers de gens qui ont été condamnés pour des crimes? Il y avait beaucoup de criminels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer beaucoup plus d'instabilité que même vous aurez du mal à rétablir derrière? Nous considérons tout ça comme dommage collatéral. Et autre chose, la majorité des gens qui étaient dans la prison étaient innocents. Si la prison a été 3000 personnes là-dedans, tu as 2800 innocents. Est-ce qu'on est en Haïti, on met tout le monde en prison parce que ils volent un régime banane? Ils font 7 en prison. Tandis qu'on est qui volait 20 millions, 30 millions de dollars, ils sont en liberté. Est-ce qu'on est pour couleur peau parce qu'au blanc, il n'y a pas arrêté en Haïti? Tandis que moi-même, parce que je suis doué, il n'y a pas besoin d'arrêter. Est-ce qu'on est nous, ces journalistes? Si la police joue nous dans la rue, la plus vite tuer monsieur, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est dread, la protéger parce qu'elle est blanc. La majorité des gens qui sont dans la prison sont innocents. Je dis à nous pour une décision nous-mêmes. Peut-être que ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés de prendre, parce que l'État, ça qui est là, c'est les gens qui sont dans le quartier populaire qui sont peuplés dans la prison. C'est les gens qui sont dans le quartier populaire parce qu'ils n'ont pas payé avocat, parce qu'ils n'ont pas payé juge, parce qu'ils n'ont pas payé quoi. Et qu'ils sont pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, injustement dans la prison. Parfois, mon enfant, mon enfant commet un acte, pour ça que mettez dans la prison, la loi dit, mon ça pour tel acte, l'État supposé faire 3 mois en prison, l'État supposé faire 6 mois en prison, il fait 10 ans en prison. Est-ce que nous devons tirer ça? Je dis, nous sommes obligés de prendre une décision. Une décision qui n'est pas facile pour nous prendre, mais quand même, nous sommes obligés de prendre. Et je pense avec à l'avenir, les gens Haïti qui font, nous-mêmes, nous avons participé, non seulement dans la reconstruction de prison, et mettez tout le monde qui méritait dans la prison, il va retourner dans la prison. Mais ce n'est pas le monde qui est innocent qui va retourner dans la prison. Vous avez dit que vous étiez prêt à aller
à vous allier avec le diable pour aller au bout de vos ambitions dans un pays croyant comme, comme Haïti. Est-ce que ce n'est pas une phrase qui va faire peur aux Haïtiens? C'est fort comme phrase de dire que je suis prêt à m'allier avec le diable. Il y a ce qu'on appelle le pavé mosaïque, le noir et le blanc, le bien et le mal. Pas jamais des gens qui sont méchants à 100%. Peut-être, monsieur qui dit ça, mais fait un paquet de bagailles qui mal dans la société. Peut-être, monsieur qui dit ça, mais fait un paquet de bagailles que la société a et reproché. Mais les gens ne sont pas aussi démons que les gens ont fait. Les gens après les gagnants font plus crédit que les politiciens. Et je dis à penser que même gens nous s'est tiré politiciens, on pense que pas aucun problème que si groupe armé accède au pouvoir aujourd'hui. Et me pense que il y a fait des meilleurs dirigeants que ça nous gain là. Oui, me te répété et me kembel et pour me craser système ça. Système qui est 5% mon 95% richesse pays. Si c'est pour me bien avec diable là, si c'est pour me dormir à diable là, si c'est pour me manger à diable là, m'a manger à diable là jusqu'à ce que me joigne bout de système ça. Toutes les victimes qu'il y a eu l'année dernière, depuis le début de l'année, est-ce que vous les voyez aussi comme des dommages collatéraux? Et est-ce que vous pouvez entendre aussi que des familles aient un envie de justice pour ce qui s'est passé ces derniers mois? De qui famille on va parler? De qui famille? On est allé dans les camps de déplacés, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu depuis qu'il y a eu des attaques dans certains quartiers. Il y a eu des victimes. Écoutez, qui est qui responsable pour qu'il y ait des gens qui déplacent dans les réfugiés qui sont allés? Qui est responsable pour qu'il y ait des gens en sécurité? Sécurité du peuple, c'est qui est lié? C'est contre l'État. Si l'État ne répond pas à la responsabilité, il y a des gens qui ont porté plainte pour l'État, pas pour le groupe armé. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de répondre à cette violence? Moi, j'ai pu discuter avec des policiers, ils n'ont pas assez d'équipement. Vous êtes mieux équipés qu'eux. Même les policiers qui ont pleuré, ils n'ont pas assez d'équipement. Ils ont assez de munitions et que pour tirer avec le groupe armé, les groupes armés ont essayé d'attaquer les business ou les oligarques. Ils ont assez d'équipement. Ça, c'est prétexte. Non, mais tout ça pour dire que vous êtes quand même très bien équipé. Comment vous récupérez ces armes qui sont des fusils d'assaut qui coûtent cher? Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par yo. Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par yo. Jimmy Cherizé Barbecue a un mode de fonctionnement par qui permet de acheter des armes. Maintenant, sous posez une question, qui est-ce qui finance? Non, il ne doit pas répondre. Pour une raison stratégique, il doit choisir pas répondre ça. Mais il y a un mode de fonctionnement par yo. Faites-moi ça dans mon nom. Je vais voyager. Moi, j'ai un mandat international. Elle vient d'où cette arme, par exemple? Je vais rechercher. Je vais sortir. Comment ça me fait arriver là? Tout le monde, groupe armé qui a des armes. Mais personne ne peut pas voir les gens qui ont des armes. Et Josia a demandé pour arrêter les nègres qui ont des armes. Mais je demandé pour arrêter les nègres qui ont entré des armes et des armes. Pourquoi ça? Parce que la majorité n'a pas de passeport français. La majorité n'a pas de passeport canadien. Majorité n'a aucun passeport américain, majorité n'a oligarque et majorité n'a aussi politicien qui a passeport américain, passeport canadien, passeport français tout. Maintenant, il y a seulement nous-mêmes qui sommes classés défavorisés. Et peut-être ça, je dis, zam ça. Mais pour faire Haïti tout nos paradis pour tout le monde net, ou bien Haïti a tout nos l'enfer pour tout le monde net. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.